Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler avec deux femmes très spéciales. Onat et Ana Maria Vidal, une peintre et une auteure. J'aimerais vous présenter un petit peu leur travail à tout le monde qui nous regarde sur la chaîne YouTube OBSA Éditions. Mais avant de commencer à parler avec ces deux personnes, ces deux femmes incroyables qui ont fait un beau travail qui a résulté dans un livre et aussi à d'autres expressions artistiques. J'aimerais lire leur biographie pour que vous puissiez connaître un peu plus sur leur travail. Tout d'abord, je vais lire la biographie de Ana Maria Vidal, qui est l'auteur du livre Lettres d'amitié. C'est le livre qui a été publié en octobre 2021 et sur lequel on va aussi parler aujourd'hui. Ana Maria Vidal est née en 1955 à Moscou. Sa vie s'est déroulée en Espagne depuis 1957 jusqu'à ce qu'en 2013, elle s'installe en Suisse. Son parcours reflète une grande curiosité et l'exploration du phénomène humain, les besoins d'expression et son esprit explorateur l'a fait évoluer à travers la communication, la création, le développement de la conscience. Danseuse, comédienne, journaliste, entrepreneuse, écrivaine, à partir de l'année 2000, elle se forme en thérapie, en coaching et en pédagogie corporelle. Ses lettres d'amitié, qui c'est le livre sur lequel on va parler, reflètent en dialogue la rencontre entre deux langages, le pictural et l'épistolaire, qui l'inspiration, et le souhait d'Anna Maria, c'est que l'inspiration qui a porté Onat et Anna Maria puisse aussi être un cadeau à vous tous qui auront la possibilité de lire ce livre, cet bel ouvrage. Je vais saluer Anna Maria. Anna, sois bienvenue. Tu es bienvenue. Merci beaucoup, Janine, et bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, en fonction de quand vous nous écouterez. C'est un plaisir de t'avoir ici pour parler un petit peu de ton travail, du livre, comment est né ce projet, ce beau projet. Qui n'a pas, enfin, le livre il a été publié en octobre, mais je sais que le projet il a commencé beaucoup de temps avant. Oui, en effet, merci. Je suis aussi très contente d'être là et puis de dévoiler certains des secrets qu'il y a derrière ce livre. Oui, c'est un plaisir. Alors, maintenant, on va parler un petit peu d'Onat, qui c'est l'artiste. Qui a illustré ce livre avec ses beaux tableaux, les photos de ses tableaux de lettres hébraïques. Onat, je vais juste prendre le texte là, est née en 1967 à Tel Aviv, Israël. Il vit en Suisse depuis 1969. Passionnée de peinture dès l'enfance, elle étudie d'abord l'économie à l'Université de Lausanne. Après une dizaine d'années de travail en entreprise, elle choisit de professionnaliser ses compétences de peintre et d'animatrice de groupe afin d'allier sa passion pour la peinture et les relations humaines. C'est ainsi que depuis 2001, l'art plastique prend une place centrale dans sa vie. Onat est à la fois artiste, peintre, et créatrice, animatrice des ateliers L'art au travail. J'aimerais bien qu'Onat nous raconte un peu plus sur ses projets aussi après. Évoluant de manière intuitive, sa peinture se développe comme l'expression de ce qu'elle habite. Ainsi, c'est avec les couleurs, les matières et leurs saveurs qu'Onat construit ses tableaux qui s'aventurent dans différents registres, allant de l'abstrait au figuratif selon les périodes. Onat, bienvenue ici sur notre chaîne. C'est un Merci plaisir. beaucoup. Merci. Merci Janine. Bonsoir. Bonsoir Anna Maria.
Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur vos parcours professionnels. Et avant de commencer à parler sur les livres en soi, les livres Lettres d'amitié, j'aimerais que vous, Nat, Yana, Maria, en tant qu'écrivaine et artiste, respectivement, nous disent quelle est la place que l'art occupe dans vos vies. Je laisse le choix qui va commencer. Allez, je me lance. Alors, la place de l'art dans ma vie, c'est une question très vaste. Mais du coup, ça déploie en moi un regard, le fil conducteur. Je me rends compte que depuis très petite, l'expression artistique a été, je dirais, je ne sais pas si essentielle, mais en tout cas très importante. J'ai des souvenirs de mon enfance où je prenais un plaisir fou à dessiner, à peindre, à voir qu'est-ce qui se passait quand je plongeais un pinceau dans une couleur et puis sur le papier, je découvrais, ça m'émerveillait. C'est un souvenir qui est très, très présent. Ensuite, il y a eu des recherches à travers la musique, à travers la danse. En tant qu'adolescente, je m'imaginais être danseuse pour le reste de ma vie. Mais après, le théâtre est venu se greffer avec le besoin de m'exprimer. Après, il y a eu le besoin de trouver mon propre discours. Et puis, entre le journalisme et l'écriture, j'ai trouvé le discours. Après, il y a eu la facette vraiment d'écrivaine. Mais je me rends compte que c'est comme si la recherche, autant personnelle qu'expressive, elle avait besoin de se passer par des explorations créatives qui continuent à m'habiter aujourd'hui. Alors, je ne m'étais jamais posé la question de la place de l'art dans ma vie, mais je me rends compte qu'il y a un fil conducteur et qu'il y a une place qui permet de suivre tout l'itinéraire de ma vie en passant par des manifestations différentes, mais toujours avec cette quête d'expression et d'une expression qui soit au-delà d'une expression linéaire. Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Alors, je ne sais pas, Anad, comment c'est pour toi, la place de l'art dans ta vie, brûle de questions. Merci Janine pour cette question. Oui, parce que je sais qu'en prenant un peu sur la biographie d'Anat, je sais qu'elle a travaillé dans un autre domaine et là, de ce que j'ai compris, a toujours été une passion. Alors peut-être que c'est aussi depuis l'enfance. Tu peux nous raconter? Alors il y a eu, pour moi, c'est comme s'il y a eu le dessin, la peinture depuis toujours. Mais à un moment donné, ce n'était plus quelque chose à faire qui était beau, mais quelque chose qui est vivant. Et puis, j'ai aucune idée. Au début, j'ai passé une année complète à faire que des cercles, des cercles, des cercles, des cercles. Et puis, comme si ça s'avait ouvert un mode expressif différent, où tout à coup, pour moi, l'expression par la couleur, par la peinture, par le dessin, ça devenait quelque chose comme une expression de vie et de ce que je vivais sans même le savoir des fois. Et puis pas du tout conceptuel, mais plus comme cet élan de vie qui peut jaillir. Et puis depuis, c'est vrai que, et surtout depuis ces 10 dernières années, où il y a les lettres hébraïques, il y a quelque chose où ça suit la trame de ma vie avec des thématiques qui m'accompagnent dans ce que je vis. Des fois en parallèle, des fois en avant, des fois après. Enfin, c'est vraiment tout un dialogue qui se fait pour moi avec la création. Et oui. Donc oui, l'art, il est pas présent du tout. Mais là, une autre question pour les deux. On a en tant qu'auteur, écrivaine, il y en a en tant qu'artiste. Quand vous allez créer quelque chose, vous savez déjà ce que vous allez créer ou vous vous laissez guider par les moments, par l'inspiration, comment ça se passe? Alors, je veux bien répondre en premier parce que moi, je ne sais jamais. J'ai rarement l'image, ou alors ça m'arrive d'avoir une image de ce vers quoi je veux aller, mais je n'y arrive jamais. Ça prend toujours après un autre,
il m'est arrivé d'avoir des tableaux où j'étais presque avec l'idée de ce que j'avais au départ, et puis ça bloquait. Et puis autre chose se passait. Donc quand je commence un tableau, j'ai aucune idée comment il sera. Il y a des moments où j'ai des sensations ou des impressions générales, mais jamais dans le détail. En tout cas, c'est ma manière de créer. Naturel, quoi. Oui, alors je te rejoins. Ouais. Oui, je te rejoins par rapport au fait que j'ai un élan initial. Et cet élan initial, il a quelque chose de cohérent. Je ne sais pas, je le sens. Et puis, je sens que c'est le bon déclic pour démarrer. Après, une fois le processus démarre, je suis souvent la première surprise de voir le chemin que ça emprunte, ce que je découvre au fur et à mesure. Et là où je te rejoins aussi, c'est que c'est quelque chose qui est vivant et que je ne contrôle pas. Je ne peux qu'en prendre soin, qu'être à l'écoute, que découvrir, qu'explorer. Mais je pense que je n'ai jamais vécu le fait de dire « je vais faire ça et puis j'arrive au bout avec ça ». Et un des exemples, c'est aussi notre collaboration par rapport aux lettres d'amitié. Oui, exactement. Là, c'est important parce que moi, enfin, j'aimerais tout d'abord faire cette question à propos de l'art et tout, comment, parce que je sais qu'il y a aussi des centres d'intérêt et parfois, on fait la connaissance des gens et on s'identifie parce que la personne, elle aime ce qu'on aime. Et avec vous, c'était un peu comme ça parce que la raison par laquelle vous êtes connus, c'était les lettres hébraïques. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que les lettres hébraïques représentent pour chacune de vous? Ouh! Alors, Anna, je te laisse commencer parce que pour toi, c'est en lien avec ton identité. Moi, c'est différent. Donc, tu veux? OK. OK. Pour moi, l'hébreu, c'est ma langue maternelle. Et du coup, les lettres hébraïques, ce sont les lettres qui sont l'alphabet de ma langue maternelle. Et je suis née en Israël, j'ai grandi en Suisse, mais quand j'avais 10 ans, on est retourné en Israël. Donc, je suis allée à l'école là-bas. Et puis, mes parents ont fait en sorte que je sois préparée. Donc, tous les étés, j'apprenais l'hébreu et à écrire, à lire, à écrire, et je le parlais déjà. Donc, c'est vraiment, les lettres font partie de ma vie, de mon enfance, de ma vie, de mon identité. Et puis, ça a été toute une surprise que de les approcher, de les adopter et qu'elles s'installent dans mes peintures depuis 11 ans. En faisant en fait un projet autour de la thématique de l'identité, où c'est devenu d'un coup évident, et puis depuis, elles sont installées dans tout ce que je crée. Et elles sont comme une portée, comme pour la musique. Il y a les portées de musique, et ben pour moi, les lettres hébraïques, c'est ça, dans tous mes tableaux. Et ça, qu'on voit mieux, c'est en fait un cercle avec des alphabets en hébreu. Et puis, ça se décline sous diverses formes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois vivant, ça parle de mon identité, de mes origines. Et puis, en même temps, j'ai beaucoup aimé découvrir toute la dimension symbolique des lettres, qui a encore quelque chose de plus vaste. Toutes se sont devenues des êtres pour moi. Et moi qui dessinais toujours des personnages, des corps, des êtres humains, quand j'ai commencé à peindre et à dessiner les lettres hébraïques, c'est comme si je dessine des êtres. Il y a quelque chose qui se passe et qui est très, très fort, j'allais dire charnel presque. Oui, qu'il y a toujours un message derrière ça. Ce n'est pas simplement un dessin. Oui, il y a quelque chose dans la forme de ces lettres. Alors moi, je ne connais pas la symbolique et je ne m'y attache pas. Je ne choisis pas telle ou telle lettre pour une symbolique. Mais par contre, je sais qu'il y a tout ça. Et puis des fois, après coup, je me rends compte qu'il y a telle ou telle lettre qui apparaissent particulièrement et qui ont telle symbolique et qui font totalement écho à ce que je peux vivre. Et ça m'épate. Mais c'est vrai que dans ma peinture, c'est plutôt des mots, des phrases, comme des mantras que je dessine, et puis, ou des alphabets. Et du coup, elles sont... En fait, c'est mes... Tu demandais mon rapport aux lettres, c'est mes amis, c'est mes colocs.
C'est mes colocs de vie. C'est à peu près ça. Je n'ai pas et c'est quel moteur. C'est intéressant ce que tu dis là, Anna, parce que moi, c'est surtout la symbolique des lettres qui m'a attrapée. Alors, pour moi, le rapport aux lettres hébraïques, ça fait partie du mystère de la vie. Parce que déjà, donc moi, je ne suis pas donc, d'origine juive, mais par contre, mon nom de famille est dans la liste des noms des personnes qui, en Espagne, à l'époque des rois catholiques, étaient juifs et étaient devenus des conversos, étaient convertis pour ne pas être expulsés. Et Vidal, c'est un des noms de famille qui font partie de ça. Alors, ça, je l'ai appris assez tard dans ma vie. Mais il s'avère que depuis ma plus tendre enfance, déjà à l'école maternelle, mes meilleurs amis ont été toujours des amis de tradition juive dans l'école maternelle, dans mon adolescence. Après, voilà, je ne sais pas, il y a eu toujours une présence du monde judaïque qui fait partie de ces mystères pour lesquels je n'ai pas de mots. Et puis, quand j'avais 13 ans, donc ma meilleure amie à l'époque était une amie qui l'est toujours encore, qui a voulu m'apprendre l'alphabet hébreu. Et donc, j'ai un peu appris à écrire l'alphabet hébreu. Et puis, moi, je lui apprenais l'alphabet cyrillique. Mais ça n'est pas allé plus loin. Moi, je ne maîtrise pas le russe, même si je connais l'alphabet. Et elle ne m'a pas appris vraiment l'hébreu. Mais il y a eu un passage par ces deux graphismes. Mais ça s'est perdu comme ça dans l'histoire. Et à un moment donné, j'ai une amie qui m'a offert un coffret avec les cartes des lettres hébraïques. Et puis, c'est vrai qu'à un certain moment où j'étais déjà dans une quête spirituelle, j'avais un peu approché la Kabbale. Et puis, j'avais trouvé que c'était très hermétique. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Je l'ai mis de côté en pensant que jamais plus j'approcherai la Kabbale. Puis, on peut jamais dire jamais plus. Parce qu'il y a cette amie qui m'a offert ce coffret avec les lettres. Et puis, j'ai commencé à tirer une lettre et puis à me rendre compte que la symbolique de chaque lettre facilitait toute une réflexion, une compréhension, une structure de lecture de ce que je vivais qui m'a apprivoisée progressivement. C'est les lettres qui m'ont apprivoisée. Qui m'ont apprivoisée parce qu'elles amenaient de sens, de possibilité de traduire, de donner un sens. Et puis, elles ont commencé à faire partie de ma vie. Et un jour, le hasard a fait que j'ai été invitée par une amie à aller à un vernissage d'Anat à Lausanne, à l'espace Saint-François. Et là, ça a été un choc. Parce que les tableaux d'Anat avec des lettres hébraïques, avec des couleurs, rejoignaient un rêve que j'avais fait en 99, qui est un rêve que je n'ai jamais oublié et qui continue à nourrir tout un retournement de différents registres de ma vie. Donc là, j'étais complètement impactée par ce que je voyais. Et ce jour-là, je n'avais que 10 minutes. Et ces 10 minutes, je les ai profitées pour parler avec Anat, pour nous passer les téléphones. On s'est donné rendez-vous, on a bu un thé. Et depuis lors, ben, c'est toute une amitié qui continue à être vivante et qui est à l'origine de cette aventure où, pour rejoindre le fil à ta question, Anat m'avait proposé. Et puis je lui laisserai expliquer, elle m'avait proposé une aventure créative qui était très très bien structurée au début dans la proposition et qui nous a amené dans une aventure qui n'a rien à voir avec ce qui avait été prévu, mais qui avait été vivant et qui continue à être vivant. Donc voilà, si tu veux Anna, je te laisse expliquer le démarrage de cette créativité conjuguée avec ton langage et mon langage. Je veux bien. Parce que c'est vrai qu'a débuté l'amitié. Et puis, moi, j'avais commencé à aller suivre aussi des cours avec un rabbin que j'adorais, le grand rabbin Gedge, qui donnait des cours sur les lettres hébraïques. Et puis, je t'avais embarqué une ou deux fois, tu étais venue, on est allés ensemble. Et à chaque fois, il y avait une lettre avec le monde qui s'ouvrait devant elle et avec elle. Et puis,
je me rappelle bien, c'était la fin de l'été 2015, j'avais un truc qui me trottait en tête qui était de me dire, j'aimerais bien faire quelque chose autour des lettres. Et si on conjuguait création, dessin d'une lettre et un écrit, que ce soit des paroles, que ce soit, comme toi tu travailles Anna Maria beaucoup, le corps et quelque chose, donc d'amener les lettres dans le corps par le mouvement, par voilà, c'était des bribes comme ça qui m'animaient. Et puis, j'avais ces cubes que je créais, qui sont des cubes en toile, et je me disais, et si on faisait un cube par lettre, et à l'intérieur, parce que normalement il y a un bout qui est vide, pouvoir glisser dedans un papier, et puis avec justement ce qui serait comme invitation, ou comme texte, ou comme autre chose. Et on est parti avec ça, en se disant, on va voir ce qui se passe. Et puis chacune a créé de son côté, et puis on a cheminé comme ça pendant 3 ans et demi, en tout cas. Et avec différentes périodes, différentes interrogations, les cubes, c'était trop restreint au bout d'un moment, parce que d'avoir qu'une seule lettre, ça nous a un peu pas pris la tête, mais ça semblait être un peu une impasse, et puis c'était pas ça. Et puis du coup, en ouvrant, puis en se laissant chacune créer à sa manière, sont nés les tableaux à livres et les livres à tableaux. Et est-ce que... Ouais, vas-y. Oui, et j'ai envie de dire que finalement, pendant toute cette période, nous partagions beaucoup de réflexions sur ce que chacune vivait. Oui. Et moi, souvent, j'amenais ce qu'une lettre avait amené comme déclencheur de compréhension, de sens, de changement de regard. Puis après, il y avait ce que nous partagions quand nous allions écouter le rabbin Gage, qui était toujours d'une richesse et d'une source et d'inspiration, et de compréhension, et de sens. Donc, ce que moi j'ai vécu, c'était comment notre amitié, elle fertilisait mes réflexions, et au-delà de ce qu'on partageait de vive voix, il y avait des jours où à la maison, j'avais besoin de m'adresser à toi. Et je m'adressais à toi en t'écrivant une lettre épistolaire qui rejoignait des choses qu'on avait partagées ou qui amenait des choses que je n'avais pas encore partagées mais qui venaient s'ajouter. Et pour moi, il y avait comme un fil conducteur dans les partages qui étaient enracinés dans notre amitié et dans comment moi je vivais et je continue à vivre l'amitié qui est devenue une amitié avec un A circonflexe sur le A, parce que c'est vraiment des échanges qui nourrissent l'âme, des échanges qui nous accompagnent, qui nous fertilisent. Et j'avais tellement cette sensation que quand on se rejoignait, quand on partageait et qu'on se quittait, il y avait toujours quelque chose de nouveau, de renouveau. Et en même temps, j'étais fascinée de voir ce que toi, tu peignais parallèlement. Comment je découvrais tes peintures, comment, par rapport à nos dialogues, il y avait des choses que toi, tu exprimais dans les tableaux qui venaient me parler aussi. Et aussi, je me souviens la première fois que tu m'as montré un cercle avec l'alphabet. Et pour moi, c'était fort parce que ça rejoignait aussi l'image de ce rêve que j'avais eu. Alors, il y avait tellement de résonance et ce côté mystérieux, parce qu'il y a ce qu'on peut nommer ou décrire dans la surface évidente des choses, mais je sentais comment il y avait des résonances qui venaient me chercher dans des couches de mon inconscient, des couches qui s'étaient manifestées dans des rêves, mais des couches qui du coup faisaient un impact, et c'était directement un langage. Ce langage qui parle à l'inconscient, ce langage entre images poétiques, symboliques. Alors, c'était vraiment une magnifique aventure. Et puis, à un moment donné, il y avait 22 tableaux chez Anna, il y avait 22 lettres épistolaires chez moi. Et on s'est dit, on en fait quoi? Continue, je te passe la parole, Anna. Non, continue. J'aime bien que tu la racontes. Ouais. Alors, finalement, l'idée est venue de faire
une expo où il y aurait les 22 tableaux. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'alphabet, il y a 22 lettres dans l'alphabet. Et puis, voilà, il y a 22 tableaux. Et puis, j'ai travaillé avec une maison de graphisme qui me tient à cœur, un livre d'artiste où on a mis les 22 lettres épistolaires dans une belle forme, avec un livre qui est relié avec une toile. Et puis, chaque livre derrière a une lettre hébraïque que Anat a brodée avec une couleur différente pour chaque lettre. Et à l'intérieur du livre, entre chaque lettre épistolaire, il y a une page translucide qui est un peu comme un voile, parce que chaque lettre épistolaire se dévoilait après un temps de silence. Et donc, on a illustré la rencontre de ces deux langages avec les tableaux et les livres qui se cachent à l'intérieur du tableau et qui sont attachés avec un ruban. Et donc, c'est un livre à tableau ou un tableau à livre. Et chaque personne peut choisir le tableau qui lui parle, le livre où il y a une lettre qui lui parle, avec la couleur qui lui parle, et l'objet est cette rencontre de ces deux langages, de cette belle amitié avec un accent circonflexe. Et nous avons présenté cette œuvre, nous l'avons présentée à Lausanne, dans un espace qui était très adapté à ça, qui s'appelle l'étagère. Et nous avons vu la moitié de la création être vendu, disparaître, partir chez des amis. Et puis, c'était aussi très touchant de voir comment chaque personne qui choisissait d'acheter une œuvre partageait ce qui lui avait touché, pourquoi elle choisissait ça ou ça. Ça a vraiment généré aussi des échanges qui étaient très, très riches. Et donc, il reste encore quelques livres à tableau et quelques tableaux à livres qui sont encore prêts à trouver quelqu'un qui les accueillerait. Mais une fois cette partie de l'aventure est finie, ben on pensait que l'histoire elle était finie. Et puis, il y a eu des personnes qui ont lu les lettres et qui m'ont fait le commentaire, quel dommage, le livre, parce que il n'y en a que 22 exemplaires, ça a un prix de livre d'artiste, ce n'est pas une édition qui est accessible à tout le monde. Bref, ça a germé l'idée de faire un prototype de livre qui serait publié comme un bouquin accessible à tout le monde. Et puis, j'ai retravaillé le prototype où Anat, avec les 22 photos de ses 22 tableaux, a participé en tant qu'illustration de ce livre. Donc, voilà, j'avais un beau prototype avec les 22 lettres, les 22 photos des tableaux. Puis, il fallait trouver une maison d'édition. Et Dieu sait que ce n'est pas évident de trouver une maison d'édition, surtout quand on n'est pas connu comme auteur. Moi, j'avais publié, mais en Espagne, c'est mon premier livre publié en français, langue que j'adore, soi-disant au passage. Mais voilà, après 3 essais qui ont été pas très agréable et surtout il n'y a pas eu d'écho, j'ai lâché et je me suis dit, si ce livre doit exister, il faut que ce soit par une rencontre. Et j'ai lâché. Et au bout de quelques mois, le hasard a fait qu'il y a eu une rencontre avec Giannini et puis voilà, le livre existe. Et c'est avec grande joie que ce livre, pour moi, au-delà de tout ce qu'il transporte de cette amitié entre Anat et moi, de ce dialogue entre la peinture et l'écriture, il soutient quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la célébration de l'amitié. Et si ce livre inspire les personnes à avoir des échanges fertiles, authentiques et inspirants, ce sera le comble du bonheur. Et en même temps, c'est un livre qui permet une contemplation, parce que chaque lettre est un moment particulier et chaque tableau est une atmosphère particulière. Donc, c'est un livre à déguster, à contempler, à revoir, à regarder en avant, en arrière. C'est un livre qui propose vraiment aussi
une participation à ce dialogue qui, au début, était un dialogue entre Anat et moi. Au début, ce n'était pas prévu qu'on dévoile, qu'on dévoile notre dialogue, mais c'est ce qu'on disait des processus créatifs. Ça a pris une tournure qui appartient à cette expérience de co-création. C'est comme ça que je le vis. Oui. Tu veux parler quelque chose, Anat? Je peux parler. Non, non, vas-y, vas-y. Non, j'ai envie de dire que c'est vrai que parfois on ne réalise pas comment l'amitié elle est importante dans nos vies. Je pense que j'ai dit l'autre fois que j'ai parlé à Ana Maria lors d'une autre interview qu'on a fait. Vous pouvez même accéder ici sur la chaîne YouTube aussi. Le fait qu'on idéalise l'amour. Parfois on entend les mots amour et on idéalise ça qu'entre une relation amoureuse, par exemple entre un homme, une femme, deux femmes, enfin, on ne pense pas à l'amour, enfin, l'amour entre amis par exemple, c'est un amour très très fort. Parfois nos amis, ils nous sauvent des choses qu'on n'imagine même pas qui pourraient nous arriver lors des échanges comme ça, des échanges qui nous font pousser en avant, qui nous font beaucoup apprendre. Enfin, ça nous évite de faire parfois des bêtises même. Alors, après, c'est aussi une chose qu'on arrive, qui les grands défis, c'est qu'on arrive à savoir qui doit être dans nos vies. Les gens qui sont là vraiment, qui nous font pousser en avant, et des gens qui minent notre énergie et qui parfois, ça, enfin, il faut vraiment savoir. C'est quand on a vraiment le feeling avec quelqu'un et qu'on passe des bons moments, on voit que ça, comme ça s'est passé avec vous, enfin, déjà, ce n'était pas du tout un hasard dans ma conception, en fait, la rencontre et tout ce qui est passé, parce qu'Ana Maria, même notre rencontre, même quand toi, tu m'as connue, c'était lors d'une rencontre d'amitié. J'étais chez une amie qui a recevé aussi une autre amie à elle, et c'était à travers cette personne-là que nous nous sommes rencontrés. Alors, c'est un projet qui est vraiment guidé par l'amitié et des gens qui sont vraiment très proches et des vrais amis, quoi. C'est très beau, ça, parce que c'est vrai que c'est rare. Moi, je suis très, comment je peux dire, reconnaissante de pouvoir voir dans ma vie des gens que j'ai pas beaucoup d'amis, en fait. Mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis parfois. Si on a des gens, si on sent qu'on a des gens qui sont là pour nous, même si c'est d'autres personnes, ça, c'est déjà beaucoup plus précieux qu'avoir beaucoup de monde avec qui on ne peut pas avoir ce genre d'échange. Oui, j'aimerais bien rebondir parce que je disais que pour moi, les lettres hébraïques, c'est une trame pour mes tableaux, et je vois que c'est une trame dans ma vie tout autant que l'amitié, et que pour moi l'amitié est quelque chose d'essentiel, et que les amis, c'est vraiment des personnes avec qui je peux partager en étant vrai. Et puis cette parole qui dit qu'une joie partagée se démultiplie et une peine partagée est réduite, c'est tellement une réalité. Et c'est vraiment ça, l'amitié. Et je pense qu'il y a des amis qui sont là pour certaines périodes. Il y a des amitiés qui durent un temps. Il y a d'autres amitiés qui durent plus longtemps. Mais c'est chaque fois des rencontres. Et puis, ces rencontres font que je suis différente après, et l'autre personne aussi. Et quelque part, la démarche qu'on a faite, Ana Maria et moi, il y a aussi... C'est comme si ça a mis dans les tableaux et dans l'écrit les empreintes de ce qu'amène le dialogue. Et c'est vrai qu'on se dit aussi des fois on s'appelait en se disant je sais que j'arriverai, enfin je suis embourbée dans un truc avec moi-même, je sais que je peux m'en sortir, mais si tu as 5 minutes, je t'en parle. Puis des fois rien que le fait d'en parler, c'est une chose. Le fait que l'autre va donner un ou deux mots ou un ou deux reflets, ça permet de faire switcher plus rapidement. Et c'est ça aussi l'amitié, c'est de pouvoir être là. On ne prend pas le fardeau de l'autre, mais d'être témoin, d'être à côté et d'être là tout en ayant chacun sa vie. Et en vous écoutant, je me dis, en fait, il y a aussi vraiment l'amitié en trame pour moi.
Oui, ouais. Absolument. Je te rejoins. J'aime beaucoup comment tu le décris. Pour moi, l'amitié a pris une place très, très importante tout au long de ma vie. Je te rejoins aussi dans le fait qu'il y a des périodes où on a des amis et on partage ces périodes. Et puis après, les chemins, ils prennent des directions différentes. Et il y a des personnes qui disparaissent de notre géographie vitale. Et puis, il y en a d'autres qu'on rencontre et qui font partie du sens de ce moment de notre vie. Et puis, le fait, moi je suis une grande passionnée et de l'expression et de la communication et évidemment de l'écoute qui favorise une vraie communication. Et le fait d'être entendu, écouté, reconnu là où nous sommes, avec ce que nous traversons, sans que ce soit un regard qui juge, sans que ce soit l'autre qui nous dise ce que nous devons faire, juste cette présence qui est de l'ordre d'une présence du cœur, d'une compassion par rapport à la matière humaine que nous partageons tous avec nos plus et nos moins, nos manques et nos trop. Et le fait qu'il y ait cette présence, c'est comme un point de repère pour notre humanité qui pour moi est très importante et qui vient combler quelque chose qui est déficitaire dans le type d'éducation que nous avons reçu. Parce que malheureusement, nous vivons dans un monde qui nous conditionne. L'éducation, elle nous a beaucoup conditionné avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment on essaye de nous formater pour être comme il faut. Et notre essence, elle n'est pas formatable. elle est vivante, elle est à découvrir. Et donc, pour moi, la vraie amitié, c'est ces rencontres où il y a la résonance des âmes qui nous permettent de nous découvrir au fur et à mesure dans les différentes tournures de notre authenticité et où on n'est pas jugé. Et après, des fois, dans notre cheminement, des fois on bloque. Et c'est là où, si on reste bloqué à turlupiner, ça peut durer longtemps. Et puis merde, excusez-moi, quand on a découvert que si on a une écoute d'une amie ou d'un ami, et cette écoute-là de cette qualité, on sait que ça peut remettre le mouvement là où c'était bloqué. Et il n'y a que ça, c'est remettre le mouvement de la vie dans une fluidité qui passe par l'acceptation de ce qui est. Et là, il y a quelque chose qui se soulage et il y a la fluidité de la vie qui continue à nous porter. Et donc, c'est pour ça que finalement, ce qui est en train de germer en moi comme continuité de ce que ce livre peut permettre, c'est vraiment cette célébration de l'amitié. Et j'ai envie que la lecture de ce livre, que la contemplation de ces tableaux permettent que les gens prennent conscience de cette énorme richesse qu'est l'amitié et qu'on adopte l'accent circonflexe sur le A pour donner à l'amitié la noblesse qu'elle peut avoir. C'est ça qui m'habite en ce moment. Et c'est la continuité de ce que j'ai pu vivre et partager avec Anat tout au long de ce processus. Et notre amitié, elle continue. Et on continue à partager, même si son chemin créatif est parti dans d'autres aventures, par d'autres rencontres, et j'adore les découvrir et les voir et les célébrer aussi. Et moi, ça passe aussi par ce besoin de célébrer l'amitié, de pouvoir en parler. Voilà, et c'est la vie, et c'est cette énorme... Ouais, la vie, elle m'émerveille, même si des fois, elle a des saveurs un peu amères des fois, hein, on ne va pas le nier, mais il y a des moments où c'est que de l'émerveillement. Oui, c'est vrai. Il y a une chose que tu as écrit, Anna, dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens, c'était un petit rappel où tu mettais qu'il faut toujours trouver du temps, même si c'est pour en papoter. Il est papoté en double sens, là. Papo, des discussions, thé avec un thé. Il papotait tellement papoté. Oui. Et j'ai trouvé ça très, enfin, important de parler ici parce que c'est vrai que parfois nous sommes tellement pris dans nos quotidiens, dans nos responsabilités.
on n'arrive pas à trouver du temps même pour envoyer un message à un ami. Et là, et parfois, on juge même la personne et on dit, ah, telle personne ne me cherche même pas, elle ne m'envoie même pas un message. Mais est-ce qu'on donne un pas? On fait le premier pas, on propose, bah, on va se voir un de ces quatre pour boire un verre, pour faire quelque chose. J'aimerais savoir comment tu vas, parce que c'est vrai que la vie, enfin, le capitalisme fait qu'on soit tout le temps, enfin, on doit travailler, on doit travailler, on doit travailler. Mais où est-ce qu'on a du temps d'aussi de nourrir toutes ces relations, toutes ces rencontres qui nourrissent nos âmes? C'est ça le grand défi. Quand je t'écoute, Janine, ça résonne très fort en moi parce que il n'y a pas d'amitié dans ce sens-là de fertilisation mutuelle sans écoute, mais il n'y a pas de créativité non plus sans écoute. Le besoin du silence depuis lequel germe la découverte, ce qui souhaite être exprimé ou partagé ou entendu. Et le type de vie qui nous est proposé est une vie qui nous coupe de l'écoute, qui nous coupe de ce temps. Et c'est une démarche, je dirais, qui demande des fois même du courage et de la détermination pour apprivoiser un rapport au temps différent. Parce que si on est dans le stress, si on est dans la vitesse, on zappe toute cette richesse qui est contenue dans le silence, dans l'écoute de ce silence qui est habité, qui n'est pas vide. Et puis, dans tout ce que la présence qui écoute, la présence à l'autre depuis cette écoute génère, et, comme je viens de le dire aussi, ce silence depuis lequel notre créativité peut émerger. Donc, le temps est un élément, le temps qu'on s'octroie est un élément indispensable et pour l'amitié et pour la créativité. Je ne sais pas si tu le vois comme ça, Anat. En tout cas, ça résonne. Et puis, je vois aussi que c'est, il y a le temps pour soi. Tu vois, tu parles de silence, il y a ce temps. Les rythmes de vie sont, voilà, sont ce qu'ils sont. Et je vois que moi, je chéris, et au-delà de chérir, pour moi, c'est essentiel d'avoir des respirations, du temps pour moi, du temps off. Et puis que, autrement, je n'ai même pas l'élan d'aller vers les amis. Et du coup, c'est aussi avec quoi je vais vers les amis. Est-ce que c'est avec tout mon stress ou tout mon bruit, ou est-ce que je vais en voulant partager ma musique et en étant prête à écouter la leur ou à écouter leur bruit s'il y a des moments de bruit? C'est pas pour dire que l'un est bon et l'autre est pas bon, mais c'est ça aussi où je disais on peut s'écouter et puis être là l'un pour l'autre, mais sans pour autant déverser tout le temps sur l'autre. Il y a des moments, c'est le cas, mais la plupart du temps, ce n'est pas d'être là en disant ben, l'autre va être le récipient pour tout ce que j'ai à déverser comme stress et comme inquiétude, ou moi, je vais être l'espace où l'autre va le faire. Et c'est quelle qualité j'ai dans ma vie et quelle richesse je trouve dans ma vie et que je partage. Il y a aussi toute cette réflexion-là pour moi. Et puis, c'est cette qualité aussi qui est source de créativité et de liens féconds. Et ça, pour moi, c'est comme un appel à se responsabiliser avec ça. Je ne sais pas si mes paroles sont dures, j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose qui fait que quand je suis stressée, moi, j'ai même pas, des fois, je n'ai même pas la place pour demander à l'autre comment tu vas. Je suis tellement dans mon stress. Oui. Donc, c'est important pour moi d'avoir des moments où déjà, je peux m'écouter moi, me poser, et puis de là, tout à coup, naît l'élan de « comment tu vas, toi ?» Ça me plaît beaucoup, beaucoup comment tu le décris, Anna, en t'écoutant. Le mot qui résonne très fort, c'est le mot du respect. C'est le respect de soi et le respect de l'autre. Mm-hmm. Et ça va encore plus loin, c'est le prendre soin de l'amitié. Oui. Mais si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin non plus de l'autre et de l'amitié. Et donc, il y a tout ce tissage entre
l'écoute, le respect de soi et le prendre soin de soi, de l'autre, de l'amitié. Et si l'amitié est vraiment quelque chose que j'honore et qui fait partie des choses les plus riches de ma vie, c'est évident que j'ai besoin d'en prendre soin, de chérir ce que je peux partager et ce que je peux proposer avec l'autre. Donc, c'est le respect, c'est le soin, c'est tout ça. Ça résonne très fort ce que tu dis, Anna. Je le partage et j'y ajoute ces mots qui seraient des mots qui pour moi, font sens par rapport à comment je le vis. Oui, oui. Et puis, j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu disais, Janini, c'est de lui donner une place. Et ça aussi, c'est un choix. C'est comme, c'est quoi les gros cailloux dans ma vie? C'est quoi les éléments essentiels? Et ça en fait partie. Mmh. Oui. À chacun son choix personnel avec ça. Oui, non, mais c'est sûr, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on n'est pas bien, on ne peut pas venir vers l'autre. Parce que c'est juste pas possible de développer quelque chose quand on n'est pas bien. Et c'est ça, c'est le respect et sans jugement. C'est avoir des amis qui respectent notre temps aussi. Qui respectent qu'on doit être seul lors de ce moment-là. Mais ça ne signifie pas de la négligence. Ça signifie que pour l'instant, on veut protéger à eux et aussi à nous-mêmes. Parce que parfois, on est tellement perdu dans nos pensées, dans toutes les situations que nous sommes en train d'affronter, qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire. Alors, si on écoute l'autre, si on partage ça, cette expérience, cette situation qu'on vit avec l'autre, ça peut aussi nous faire prendre des chemins qui, en vrai, on ne devait pas prendre. C'est vrai. Oui, il faut vraiment avoir l'écoute déjà à l'intérieur de soi, ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut. Parce que la réponse n'est jamais dans l'autre. La réponse est à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Après, bien sûr, on va partager, on va grandir, on va apprendre. Mais que la vraie amitié, elle ne va jamais définir ce qu'on va faire. Tu dois faire ça. C'est pas ça. C'est ça. Parce que sinon, ça perd le sens, la chose. Oui. Par contre, quand on est dans une vraie écoute quelque part, ce qui me fascine, c'est que l'autre ne va pas nous dire ce qu'on a à faire, mais l'autre peut avoir l'inspiration d'un mot qui fait un déclic en nous. Et ça, c'est magique. Pour moi, ça fait partie de la magie de la rencontre. Et je constate ça dans le double sens. Hein. Des fois, je suis en train d'écouter quelqu'un de tout mon cœur, de toute mon âme. Et puis, il y a une inspiration qui vient, puis je partage cette inspiration. Et puis, il s'avère que ces mots-là génèrent un déclic chez l'autre qui est porteur de sens pour l'autre, qui débloque là où c'était bloqué. Mais ce n'est pas moi qui a débloqué. C'est ce langage qui apparaît inspiré, que je découvre moi-même et qui, des fois, il fait sens aussi pour moi parce que j'ai l'impression que nous évoluons ensemble. Nous sommes des facettes d'un même kaléidoscope. Et cet état de lien d'écoute respectueuse, elle amène des informations qui sont utiles pour nous, pour l'autre, pour le moment. On n'en sait rien. Mais il y a des fois où je touche à quelque chose qui est de l'ordre d'une magie. Le secret de l'amitié, le secret des mots qui viennent. Et en vous écoutant, j'avais un souvenir qui me venait parce que quand moi, je ne peux pas imaginer ma vie sans l'amitié. La vie sans des amis, je suis incapable de la concevoir. Et ça m'amène à un souvenir d'enfance. Chez moi, dans la maison de mes parents, les murs étaient tapissés de livres. Moi, j'ai vécu dans un monde de livres. Et quand j'allais chez des amis de l'école où il n'y avait pas de murs dans les livres, ce n'était pas une maison pour moi. Une maison sans livres, ce n'était pas une maison. Et là, en vous écoutant, je me disais, c'est intéressant parce que je ne peux pas concevoir la vie sans amis, mais je ne peux pas la concevoir non plus sans livres. Voilà, c'est juste le partage d'un souvenir qui est venu s'infiltrer dans notre partage de ce soir. J'aimerais juste rebondir sur une chose, c'est que pour moi, on peut proposer, il y a le mot qui arrive quand on écoute quelqu'un, un ami, une amie,
y a le mot qui vient et qu'on peut glisser, mais des fois, il y a aussi des propositions de voilà ce que tu pourrais faire ou voilà ce qui me vient. Mais ce n'est pas de s'empêcher de le dire, c'est juste de laisser la liberté à l'autre de le faire ou pas. Et je crois que c'est ça le secret. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie vraiment d'expérimenter, puis de lâcher, d'oser dire ce que moi je ferais, d'oser demander aussi si l'autre a envie de savoir. Ou est-ce qu'elle a juste besoin d'écoute? Et est-ce que je peux offrir ça? Et voilà, c'est tout un tissage. C'est ton mot, Anna Maria. Ouais. Oui. Et c'est vraiment ça, c'est un tissage à deux. Et puis j'adore ce que tu dis pour les livres, parce que oui, vraiment, c'est pour moi une maison sans livres, un appartement sans livres, une vie sans livres, c'est impossible. Ils sont des bons amis, les livres. Hein. Ils nous apprennent tellement. Mais c'est intéressant parce que j'aimerais juste reprendre la question de l'être, hein, parce qu'on a dit que, enfin, que parfois elle avait envie de te parler, honnête, et elle écrivait une lettre. Et on a parlé ça lors de notre dernier entretien, à l'importance vraiment de mettre. Enfin, d'extérioriser tout ce qui est à notre intérieur, vraiment. Et comment l'écriture, l'art, les dessins, par exemple, nous aident à faire ça. Et quand on fait ça, on se comprend. Et parfois, mais faire ça vraiment sans penser à montrer à quelqu'un d'autre. Parce que quand on fait ça sans vouloir montrer à quelqu'un d'autre, là, c'est vrai. Que si on commence à penser, je vais écrire ça, mais je vais écrire pour rendre à qui ? Pour montrer à telle personne, là, ça fait parce que là, on n'est plus dirigé avec authenticité. C'est ça, je trouve que c'est vrai, c'est vraiment important de s'y écouter et de les lettres. Pour moi, c'est un genre littéraire qui va au-delà même de cette question, enfin, de faire un livre pour que les gens puissent lire les lettres. C'est pas seulement ça, c'est vraiment un bon outil de. C'est pas de thérapie, même, si je peux dire comme ça. De déroulement de la vie, de développement de la vie. Et c'est vrai que finalement, ces lettres, on ne savait pas au début si ça serait publié ou pas. Il y avait vraiment cet élan de dialogue et cet élan de co-création et de marier, d'assembler, de dialoguer entre deux personnes avec deux langages. Oui. C'est avec vraiment spontanéité. Ça qui nous apportait. Oui, à la fois spontanéité, à la fois étonnement, à la fois ouverture, à la fois questionnement. Et puis en plus, dans des rythmes où il y avait des moments, Anna Maria, elle était prise par l'écriture et moi, je n'étais pas du tout inspirée à créer. Et puis, vice-versa, c'était aussi assez intéressant dans les rythmes où il y avait aussi le respect de se dire « Ok, mais tranquille, on n'a pas un délai où ça se passe quand ça se passe ». Et c'était vraiment aussi beaucoup de liberté pour laisser, en fait, chacune déployer les choses dans son rythme. Jusqu'à ce qu'on finalise, et puis là, c'était en convergence. Mais il n'y a pas eu de cadre, de temps. Et ça a été organique de ce point de vue-là aussi. Tout à fait. Et puis, moi, j'étais la première surprise le jour où la première lettre a émergé. Et au début, je n'avais pas imaginer que ces lettres un jour seraient un livre. Ce n'est que quand il y avait déjà la 11e, je pense, où j'ai eu l'élan de montrer à une amie commune qui partage aussi l'amour des lettres hébraïques, avec qui on est très liés d'amitié tous les trois. Mmh. Et puis c'est elle qui, en les lisant, a dit « Mais vous pouvez les faire lire, ça peut être partageable. » Mais au début, il n'y avait aucune intention. Et puis, les premières lettres, j'étais surprise de cet élan. Et en fait, j'ai eu une période dans ma vie quand j'étais jeune, j'avais 25, 26 ans, 27. Pendant 3 ans, j'ai partagé une relation épistolaire avec une amie. Elle habitait à Menorca, moi j'habitais à Barcelone, et on s'écrivait, mais presque chaque jour. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas mail, c'était vraiment des lettres qui partaient par la poste. Et donc, il y avait les temps de décalage, du temps où la lettre arrivait. Mais nous avons eu un dialogue. En fait, on était très amis, puis on s'était séparés toutes les deux au même moment, puis on avait besoin de partager
toute l'élaboration de cette blessure. Et ça a été mais une longue relation épistolaire. Et malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, sinon ça serait encore un livre. Ah oui, c'est sûr. Et oui, exactement, j'avais cette question-là, c'est bon que tu le dises, parce que j'aimerais juste vous demander, avant qu'on termine notre discussion, quels sont vos projets en cours, en fait? Enfin, Anna Maria, il y a d'autres livres. Anna, il y a des expositions qui sont en cours en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Alors oui, je veux bien commencer. En fait, moi j'ai en ce moment une exposition en Suisse, à Crébérard, jusqu'à la mi-mars. Et puis j'ai encore quelques jours d'exposition à Paris, de quelques tableaux. Notamment, il y a 4 tableaux qui sont exposés là-bas, qui sont sortis pour la première fois de mon atelier. C'est vraiment des bébés, ils sont exposés pour la première fois. Et c'est des tableaux qui jouent avec... Après avoir fait beaucoup d'alphabet et quelques mots, je suis tombée sur des prières et des paroles d'un rabbin qui me parle tellement. Donc du coup, je joue avec ces paroles sur des peintures et de la broderie. Et wow. C'est tout ça qui me porte en ce moment. Ouais. Ça doit être hyper beau. Et tu as un site? Oui, oui. Est-ce que tu peux le mettre en... Oui. Tu peux mettre en bas, oui. Oui, volontiers. anatart.com. Et c'est vrai qu'il y a du coup toutes les peintures et puis toute une série aussi qui est née récemment à partir de tous ces cercles d'alphabet, des pendules. anatart. Non, c'est anatart. Ah, ok. Oui, .com. Je vais... corriger. C'est génial, tu fais ça en live, waouh. Oui. C'est pratique. Hein? Ah bah oui, waouh. Je mets là, exactement. J'ai découvert tes derniers tableaux lors de ma dernière visite chez toi avec les prières et j'ai encore une fois été hyper touchée de voir comment ça évolue et c'est... J'invite tout le monde à découvrir ce que tu fais, vraiment. Alors, Lausanne, c'est où l'exposition en Suisse? Crébérard, c'est à Puydoux. C'est un lieu de séminaire et de retraite. Et puis, à Paris, c'est au Centre européen du judaïsme. Encore quelques jours. Ouais. C'est en fait tout sur mon site. Il y a les deux indications. Si les deux informations. Ouais, et toi, Anna? Alors, moi, en ce moment, je suis dans un moment particulier parce qu'il y a 3 projets d'écriture qui sont en train de germer. Et il y a des moments où je me dis, je n'ai pas 6 mains, je n'ai pas 3 têtes, je ne sais pas comment ça va se jouer. Mais il y a un ouvrage que j'ai commencé et qui évolue aussi à son rythme, qui est une légende, qui s'appelle « Les gardiennes du calice ». Et que j'espère vraiment pouvoir découvrir comment j'arrive au bout de cette légende. Après, il y a tout un regard que je porte sur les différentes femmes qui ont été des femmes, un peu des sages-femmes de la naissance à moi-même dans tout mon parcours de vie. C'est aussi commencé, et puis il y a des jours où c'est plus ça, il y a des jours où c'est plus ça. Et après, il y a quelque chose qui est en train de m'habiter et c'est tout ce qui s'est mis en route avec cette notion de célébrer l'amitié. Et c'est ce qui est en train de germer par rapport aux événements comme celui qu'on va faire au Sublime au mois de mars et les événements que je souhaite proposer dans des petits formats parce que c'est par exemple ce souvenir de cette amie avec qui on a eu tout cet échange pendant plusieurs années à nous écrire chaque jour. C'était une relation épistolaire qui a été aussi, qui a marqué aussi un point assez fondamental dans ma manière de découvrir l'amitié. Donc, je sens que ma réflexion sur l'amitié, elle va devenir aussi un ouvrage. Après, moi, je vis des moments où il y a comme une pensée en réseau avec les différents projets qui fusent et je sais que je dois lâcher pour permettre justement
qu'un rythme organique décide comment un pas vient après l'autre. Mais il y a ces trois axes qui sont vivants en moi en ce moment. Alors, je vais voir. Et puis, c'est quelque chose qui me touche, c'est de voir à quel point c'est l'écriture en français maintenant. Ça marque aussi une étape de ma vie. Il y a eu l'étape de ma vie où j'ai écrit en espagnol, où j'écrivais aussi en catalan, où j'ai publié en espagnol des contes pour enfants, après des contes plus réflexifs sur l'autorité naturelle, sur les cercles d'hommes, les cercles de femmes. Mais avec les lettres d'amitié, c'est l'expression en français, qui est une langue qui est aussi, ça fait partie de mon âme aussi, cette langue. Et ces projets-là, ben, ils sont en français. Les fragments qui sont déjà écrits, c'est en français. Et je vois à quel point la langue française correspond à l'étape de vie dans laquelle je suis en ce moment et correspond aussi à ce besoin d'expression dans ce registre-là. Je découvre. On verra ce qui va venir d'abord. Hein? Pardon? On verra ce qui va venir d'abord. Quels ces trois projets vont... Oui. Va naître en premier. À quatrième. À quatrième. Et il se peut qu'il y en ait un autre qui surgisse et qui passe devant. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, mais on se laisse aller par la spontanéité. Quoi. Je pense que c'est quand on travaille avec l'art, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui. Parce que en fait, je pense que ça vient quelque chose d'autre, ça vient pas vraiment de nous, parce que c'est tellement incroyable qu'on a face des tableaux comme ça et que ce soit pas exprès. Et toi aussi avec tes lettres. C'est vraiment incroyable. Je sais pas, j'ai beau mettre ton adresse mail si jamais quelqu'un peut t'écrire pour savoir. Oui, avec joie. Oui. Et pour mes cadeaux. Et puis comme Anna Maria disait, il reste encore aussi une dizaine de tableaux à livre. Donc ça aussi, toutes les reproductions sont dans le livre. Jamais les gens ont intérêt d'acquérir, oui. Absolument. Ouais. J'ai mis là les deux adresses mail. Et sinon, j'aimerais juste vous remercier pour ces moments. C'était merci vraiment un grand plaisir. Je disais, pour qui est là en train de nous regarder, on a des gens qui sont en train de regarder. Moi, j'étais un peu stressée parce que c'est la première fois que j'ai fait un live en français. Mais je suis vraiment contente que ce soit avec vous, de partager ce moment avec vous, de vous avoir vraiment chez Helvetia, parce que je vous admire beaucoup. Pour moi, enfin, j'apprends toujours quand on peut discuter comme ça. Et j'espère, enfin, moi, là, Anna Maria, elle l'a déjà dit, on aura un événement au Sublime, c'est un espace culturel alternatif à Lausanne. Si jamais quelqu'un est intéressé à être présent dans cette soirée, il faut juste écrire à Anna Maria, par exemple, pour qu'on puisse réserver la place, parce que les places, elles sont limitées, l'endroit, il n'est pas très, très grand. Ce sera le 12 mars à 18h. À Lausanne. Et sinon, on aura évidemment d'autres opportunités pour qu'on puisse rencontrer Anna Maria et aussi d'autres personnes qui sont liées à ces projets et qui apparaîtront ici sur la chaîne dans un mois. Oui. Génial. Merci beaucoup, Giannini. Merci pour l'invitation. Merci, Anna Maria. C'était un bonheur d'échanger avec vous. Oui, merci, Giannini. Merci, Anna. Et toute belle soirée ou belle suite de journée aux personnes qui sont avec nous. Une belle soirée. Je laisse là aussi que j'ai oublié les liens. Si jamais quelqu'un a envie d'acheter le livre. Et bon, une bonne soirée et à la prochaine. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.